Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'heure qu'Angélion. Désolé, je suis désolé, mais j'ai des gros problèmes de configuration de Nvidia avec mon nouveau matériel, notamment ma télé en 4K. Tendance à vouloir me faire des vidéos 4K, mais le problème c'est qu'après moi je peux plus les traiter au niveau de mon programme qui fait mes vidéos en fait, hein, où je travaille mes vidéos. Donc le problème c'est que je suis obligé de paramétrer et d'essayer de trouver comment faire pour que mes jeux soient capturés convenablement, c'est-à-dire en 1900 sur en HD en fait, sur 1080 donc. Le problème c'est que j'avais tourné un épisode juste avant. Je sais pas si on a encore, non, si on l'a. Donc voilà, j'avais récupéré donc trois boosters ainsi que 5 terrains de base grâce à la lettre qu'ils nous ont envoyée aujourd'hui, puisque on est le 7-2 et que automatiquement ils vont nous ils nous ont enfin ils ont lancé la nouvelle saison. Notamment la nouvelle maîtrise en lien avec Phyrexia, et donc en gros donc ils nous ont donné 3 boosters. J'avais économisé donc 600 en gemmes, donc j'ai acheté 3 boosters et j'avais économisé 18 500 depuis une semaine et demie pour acheter un maximum. Là, comme vous voyez, j'ai récupéré un rare mythique en ouvrant deux boosters dorés, puisque donc je vous envoie sur les maîtrises. Comme vous voyez, donc nouvelle barre de maîtrise qui s'arrête à 66 normalement, si je dis pas de bêtises. Hein, c'est comme avant. Ouais, voilà. Nous, on est bloqué jusqu'à 66, sachant que bon, les autres ils pourront monter jusqu'à 80. Hein, donc, sachant que sur l'ancienne maîtrise, on était déjà à 118, nous, donc ça faisait belle lurette qu'on était dans les strates. À côté de ça, donc j'ai été à la boutique et j'ai récupéré un maximum de nouveaux ils sont là. Donc vous avez le même système, vous avez les boosters mythiques et vous avez les boosters simples. J'ai mis 18 000 dans les boosters simples et j'ai mis aussi les 600 gemmes dans les boosters simples, ce qui fait que actuellement j'ai 24 boosters. Donc on va faire des petites émissions où on ouvrira 3 boosters par 3 boosters. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ici, comme vous voyez, c'est un carnage. Hein. Je n'arrive plus à jouer avec mes decks. Mais c'était un peu logique, puisque à la fois il y a ce fameux deck là avec tous les sorts qui est ingérable. Et notamment ces derniers temps, il y avait aussi les monsieur que je paye, donc je peux utiliser en premier, qui utilisait Phyrexia en fait, et qui utilisait un deck Phyrexia spécifique qui leur permettait de gagner assez facilement. Donc voilà. Au niveau du profil, je vous mens pas, donc la saison, ça fait 6 jours que le nouvel rang saisonnier est lancé. Bon, j'ai rien fait. Hein. La nouvelle donc maîtrise, et comme vous voyez on a déjà 2%, mais bon, désolé, de toute façon on verra hein, certainement les cartes passer, donc je vous les présenterai. Désolé, c'est ma carte d'acquisition qui n'a pas voulu récupérer l'image. J'avais le son mais j'avais pas l'image, donc voilà. Mais bon, on commence à avoir une sacrée collection quand même hein, dans tout ça. Voilà. Sachant que les boosters dorés fonctionnent encore. Hein. Il suffit de regarder ici. J'en avais deux. J'avais commencé par ouvrir les deux
parce que j'en ai 24, donc 2 fois 10. Et là, on recommence de 1. Il nous en reste 9 à avoir. Donc voilà. Là, on va aller sur les boosters. On va en ouvrir 2. On verra bien. Allez, c'est parti. Ok, que du nouveau. Donc, noyade dans la Sani. C'est une carte noire qui arrive au deuxième round. C'est un sort de rituel. Une créature ciblée gagne moins 4, moins 4 jusqu'à la fin du tour. Proliférer. Donc, proliférer, c'est choisissez n'importe quel nombre de permanents ou et de joueurs. Puis, donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présent. Ok. Galopin cacophone. Ouais, galopin cacophonique. C'est une carte rouge qui arrive au premier round. C'est une créature phyrexien et gobelin et guerrier. À chaque fois que le galopin cacophonique inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez le sacrifier. Si vous faites ainsi, proliférez. Quand le galopin cacophonique meurt, il inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Un en force et un en défense. Danseur ligamenteux. Donc lui, automatiquement, c'est une créature phyrexien et soldat. C'est une carte blanche qui arrive au premier round. Et pour 4 manas, dont un blanc, et si on engage la carte, engager une créature ciblée. Il a aussi la possibilité d'avoir l'aptitude corrompue pour un mana blanc et son engagement. Engager une créature ciblée n'activée que si un adversaire a au moins 3 marqueurs poison. Un en force et un en défense. Ici, murmure de Méphidros. Donc c'est une carte noire qui arrive au premier round, c'est un sort d'éphémère, c'est une créature ciblée qui gagne moins 1, moins 1 jusqu'à la fin et elle est équipée aussi de proliférer. Ici, galopin à la lame de scie. C'est une carte rouge qui arrive au premier round. C'est une créature phyrexien et bête. Elle est équipée de célérité. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez un marqueur pétrole sur le galopin à la lame de scie. Si on engage, retirez un marqueur pétrole du galopin à la lame de scie. Il inflige une blessure à chaque adversaire. D'accord. Et ils expliquent pas ce que c'est que l'essence. Ok. Bon, ben c'est rien. Charge à voltage. Donc carte rouge qui arrive au troisième round. C'est un sort d'éphémère. La charge à voltage inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Proliférer. Ah ben dis donc, il y en a de la prolifération. Bombe crânienne du labyrinthe, c'est une carte incolore qui arrive au premier round. C'est un artefact pour un mana, sacrifier la bombe crânienne du labyrinthe, piocher une carte. Pour 3 manas dont un vert, sacrifier la bombe crânienne du labyrinthe. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 3 plus 3 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Piocher une carte n'activée que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, donc là on attaque Monument à la Perfection. C'est une carte incolore qui arrive au deuxième round. C'est un sort d'artefact. Pour 3 manas ainsi que son engagement, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, sphère ou site. Révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Pour 3 manas, le monument à la perfection devient une créature artefact 9-9 phyrexien et construction. Perd toutes ses capacités et acquiert l'indestructible. Et toxique 9,
n'activer que s'il y a au moins 9 terrains de noms différents parmi les terrains de base, sphères et sites que vous contrôlez. Ouah la vache, c'est quoi ce truc? Toxique, un joueur qui subit des blessures de combat d'une créature avec le toxique gagne aussi un nombre de marqueurs poison égal à la valeur de toxique totale de cette créature. Marqueur poison, un joueur qui a au moins 10 marqueurs poison perd la partie. Ouais, c'est du poison quoi. Ok, bon bah c'était le premier booster. Deuxième booster. Donc deuxième booster. Hop, Necrostic. Donc là on est sur une carte noire qui arrive au quatrième round. Créature, phyrexien et insecte équipée du vol. Le Necrostic arrive sur le champ de bataille avec deux marqueurs pétrole sur lui. Le Necrostic gagne plus un à chaque marqueur pétrole sur lui. À chaque fois qu'une autre créature ou un autre artefact que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, mettez un marqueur pétrole sur le Necrostic. Il a 0 et 0 en force et défense. Extension de la sphère, carte verte qui arrive au quatrième round. C'est un sort de rituel. Regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez jusqu'à 2 cartes de terrain parmi elles sur le champ de bataille engagé et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Si vous mettez moins de 2 terrains sur le champ de bataille de cette manière, proliférer un nombre de fois égal à la différence. Ok. Bombe crânienne de la basilique. Bah, qu'est-ce qu'il y a comme bombe crânienne dans cette édition? Carte incolore qui arrive au premier round. C'est un sort d'artefact pour 1 sacrifier la bombe crânienne de la basilique. Piocher une carte. Pour 3 mana dont un blanc, sacrifiez la bombe crânienne de la basilique. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 2 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Piochez une carte n'activée que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Un joker courant, évidemment. Bombe crânienne du fourneau. Donc là, on est sur une carte incolore qui arrive au premier round. Artefact, pour 1 mana, sacrifier la bombe crânienne du fourneau, piocher une carte. Pour 2 mana, dont un rouge, sacrifier la bombe crânienne du fourneau, mettez 2 marqueurs pétrole sur une cible que vous contrôlez, artefact ou créature, piocher une carte n'activée que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Déplaceur de dunes, créature, artefact, phyrexien, golem, équipé du toxique 1, c'est une carte incolore qui arrive au deuxième round. Quand le dépeceur de dunes arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. D'accord. Basilique Blême. Donc là, on est sur une carte terrain sphère. La Basilique Blême arrive sur le champ de bataille engagé. Si on l'engage, elle donne un mana blanc. Et pour 2 manas, dont un blanc, et si on l'engage, sacrifier la Basilique Blême, piocher une carte. Ok. L'âme des âmes partagées. Et ben ça c'est une carte qu'on avait eue juste avant. Donc c'est une carte bleue qui arrive avec les bonus en fait, je voulais dire les bonus dorés. Enfin les boosters dorés. Donc l'âme des âmes partagées. Carte bleue qui arrive au troisième round, c'est un artefact équipement.
Pour Mirodin, à chaque fois que la lame des âmes partagées devient attachée à une créature, tant que la lame des âmes partagées lui reste attachée, vous pouvez faire que cette créature devienne une copie d'une autre créature ciblée que vous contrôlez. Équipement 2. Et carte qui peut être créée à sa mise en œuvre, c'est Rebelle, créature jeton Rebelle, 2 en force et 2 en défense. Pour Mirodon, quand cet équipement arrive sur le champ de bataille, créez un jeton créature 2-2 rouge rebelle, puis attachez-lui cet équipement. Ok. Équipement, vous pouvez payer le coût d'équipement pour attacher ce permanent à la créature ciblée que vous contrôlez. N'attachez l'équipement que lorsque vous pourriez lancer le rituel. Ok, ça nous en fait déjà deux de vue. Je reviens là. Donc voilà. On revient sur le profil d'ailleurs. Donc, depuis 6 jours a été lancée la nouvelle saison. Là, on n'a pas encore joué. On est arrivé déjà à 7% en 4 boosters. 2 dorés ainsi que 2 qu'on vient d'ouvrir. Donc, on verra bien. On verra bien ce que ça nous donne. Je suis pas emballé pour l'instant de ce que j'ai pu voir. On verra bien avec les autres boosters, ça suivra. Allez, je vous laisse. Salut, bonne journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir. Thank you.